Hello les copains, hello les copines, hello les pimpines. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un travail vlog. Du coup, devinez quoi, là je suis à Lomé. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous introduire la vidéo depuis le Bénin. Mais là je suis à Lomé. Voilà, j'ai pas le temps aussi de vous montrer la préparation. Mais bon, je vais vous montrer un peu ma valise après. Du coup, aujourd'hui, on est arrivé vers 9h comme ça. Voilà. Et la maison, en fait, la maison qu'on avait réservée était un peu loin. Du coup, on a dû chercher un autre appartement qui est au centre-ville. Non, on ne savait pas que c'était pas au centre-ville. Donc, bref, on a pu trouver une maison. Du coup, après, nous étions venus déposer notre valise. Et vu que dans notre planning, aujourd'hui, on devait aller au marché chercher quelques trucs. Du coup, on était au marché, on est revenu de pas longtemps. Et après, je me suis lavé, j'ai prié, j'ai essayé de ranger un peu mes trucs. Pas trop, mais un peu. Alors là, je vais vous faire un room tour. Je vais vous montrer un peu la maison, juste le salon, la cuisine. Et puis, ma chambre et la douche. Let's go. Regardez les gars. Là, c'est un villa. Il fait nuit. Demain, peut-être je vais vous montrer mieux. Regardez, on a cette terrasse magnifique. Du coup, on va au salon. Voilà le salon. C'est trop beau, les gars. C'est trop beau. Regardez. Là, on va manger. On a ramené du riz et tout du Bénin. Voilà, bref, je vous montre la cuisine. La cuisine aussi n'est pas mal. Voilà. Il y a aussi le réfrigérateur. Actuellement, il n'y a rien dedans. Rien. Voilà. Bon, on a mis un poisson. Là, on a le chauffe-eau. Voilà, ça, pour le rangement. On a la cuisinière. Donc bref, on va dans ma chambre. Les gars, en fait, regardez la chambre. Elle est trop belle. Du coup, là, j'ai ma valise. J'ai pas fini d'arranger. Ici, j'ai mon hijab et ma boubou de prière. J'ai une chaise. J'ai une table. Là, j'ai mis mon ordinateur. Ensuite, là, j'ai mis mes trucs de maquillage et tout. Ici, j'ai mon maquillage, si j'arrive à me maquiller. Là, j'ai quelques accessoires, mes verres. Là, j'ai ma baguette de sortie. J'ai gardé un ring light, un petit truc comme ça. Voilà, et voilà mes trucs pour les cheveux, mais pour ma perruque. Voilà la perruque. Du coup, en fait, la chambre, j'aime trop. Voilà. Et là, on a l'armoire. J'ai rangé quelques trucs. Voilà, j'ai mis les tapettes, mon sac et l'habit que j'ai porté aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ensuite, on a la douche. Sincèrement, c'est pas mal en fait. Voilà, on a la douche comme ça. Voilà. Du coup, là, j'ai fini. Vous avez vu, j'ai fait le room tour. Voilà, genre, c'est pas mal, moi, j'adore. Du coup, là, maintenant, on ira manger. Voilà, on va manger, voilà, au salon. Voilà, on a déjà un planning du séjour. Du coup, je vous montre au fur et à mesure. Après que moi, j'ai fini de manger, je vais continuer le montage de mes vidéos. Voilà. Bisous. Hello, hello, bonjour les copains. C'est que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je me suis déjà réveillée. Voilà, j'ai prié et tout. Du coup, là, je vais me parler.
Je sais pas, aujourd'hui, en fait, tu penses que, je sais pas, on ira en marché encore. On va acheter peut-être des choses pour préparer à manger. Soit on arrive à acheter des trucs pour préparer à manger nous-mêmes. Soit on mange dehors. Et donc après, on doit aller aussi à la plage. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, en attendant, moi, je vais, je vais continuer le montage de mes vidéos. J'ai fini un hier nuit, voilà. Donc, là, je vais recommencer un autre. J'ai trop de vidéos pour vous encore. Restez proches. Voilà, là, les gars, je m'apprête pour aller marcher. Je vais mettre tout ça sur moi. Je vais prendre mon sac. Là, ça va. Voilà. Je vais prendre un peu de maman. Alors les gars, j'ai fini de m'habiller là, on part déjà. Du coup, je vais attacher mes cheveux d'abord pour que ma progressive, pour que le zèle ne gâte pas mes cheveux que j'ai lissé bien. Voilà, du coup, on va prendre le zèle. Voilà. Les gars, en fait, les zèle nous demandent de payer 1000 francs chacun. Du coup, finalement, je pense qu'on va prendre un taxi. Voilà. Parce qu'on avait vu un taxi Gozem, c'était plus économique en fait.
fait, les gars, je vis ma best life. Lomé, en fait, c'est chic. Genre, je suis là, tranquille, posée. Là, on est en train de voir ce qu'on va commander. Voilà. Ah, des blanches là-bas, elles sont en train de nager. Voilà, moi, j'ai porté mon truc, tout simplement, comme ça. Je crois vite. Voilà, en fait, ici, il fait vite nuit, en fait. En fait, le temps est équivalent du Bénin. Du coup, là, il n'est même pas encore 18h. Regardez comment il fait sombre déjà. Du coup, en plus, les serveurs, là, ils ont déposé la carte. Ils sont partis. On voulait même commander un truc. Ils sont partis, en fait. Donc, genre, je sais pas, genre, depuis, ils ont déposé le truc. Ils ont disparu. On a envie de rentrer même. Parce que... parce que le son doit sortir. Donc c'est pas mon fils. Le son doit commander ou pas. Alors là les copains, on est en train de rentrer. On marche un peu, on va appeler un chauffeur qui va venir nous chercher. Donc bref, pour la petite story time. En fait, on était rentré avec des blanches. Du coup, le serveur, il pensait en fait qu'on était ensemble, en fait. Du coup, eux avaient dit qu'eux n'ont qu'à revenir après avoir fini de nager et tout. Du coup, nous a déposé la carte. Il est parti. Donc, nous, on est resté là plus de 30 minutes à l'attendre. Donc, après, nous, ça nous a fait chier, en fait. Donc, on avait un autre programme. On devait sortir encore. Du coup, on est parti. Voilà. Donc, après tout, ça reste un bon resto sur plage ou bien quoi. Donc, venez si vous avez envie. C'est trop bon. Plus le quartier, il est calme et tout. Voilà. C'était bien. On a fait de belles photos. De belles photos, je vous dis. On est venu pour faire les ongles. Ah bon, ça a d'accord. J'ai fait maison, j'ai fait juste au pied. Il fait très nuit, il fait vite en fait. Ici à Lomé, là il est 20h comme ça, mais si tu vois, tu allais penser que là il est 22h. Du coup, là je vais me déshabiller, me laver, je vais prier. Après, on s'apprête pour aller au resto.
Hello les copains, c'est que vous allez bien aujourd'hui. Alors là, je me suis apprêtée, comme vous avez su. Voilà, là on va à la plage. C'est quoi déjà le nom de la plage? Blue Turtle Beach. Voilà. Du coup, on va s'asseoir, on va manger un peu. En fait, hier on n'avait pas eu la chance, tout ce qu'on a prévu hier, c'est presque allé en couille. Bon, bref, j'ai fait les photos en journée, mais le soir, non, on va repartir. Du coup, là, on va à la plage. Après, j'ai gardé une tenue pour aller au quartier. Voilà. Alors, vas-y. Alors là, on est arrivé. Je cherche un spot chic pour prendre des photos chic. Les gars, oh la plage, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, trop belle. Let's go. Comment on va tout là? Ouais. Comment on va tout?
faire le dance. On attend notre tour. Alors les gars, on va faire le karting. On est venu tardivement. Du coup là, c'est la nuit. Alors les gars, on a fini de jouer. C'était trop passionnant. C'était trop passionnant. C'est trop adoré. C'était trop bien. Là, on rentre à la maison. Non, si je ne pas à génération. les copains, est-ce que vous allez bien et que vous allez bien dormir? Alors là, nous sommes en train d'aller à la piscine. Voilà, on va à la piscine. Après, je vais me changer pour aller au bowling. Voilà. Ensuite, je pense que le soir, on va aller en boîte de nuit. C'est un peu ça. Yeah! La haine!
Yeah, mais les choux. Les jaloux. I want to tell you I love you. Electricity.
les copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, hier, j'étais hyper fatiguée. Du coup, là, on va à la plage. Voilà, j'ai porté un top. Voilà, j'ai mis un truc dans mon sac. Là, je vais prendre les photos et tout. Voilà, on s'en va. Alors les gars, nous sommes arrivés sur la plage où il y a le WAF allemand. Le WAF, c'est en anglais, c'est-à-dire appointement. C'est juste où on amarre les bateaux. C'était les Allemands qui faisaient ça. Je pense que dans le temps de la traite négrière, un truc comme ça. Voilà. Donc, on va regarder un peu après. Je vais prendre des photos. Voilà. Voilà les trucs que vous voyez là. En fait, on est au musée, mais apparemment il ferme à 17h. Du coup, ce matin, quand on était sorti, on était hyper fatigué. Donc, on n'était pas habitué à sortir de la maison. Ça fait que dommage, on n'a pas pu visiter le musée alors qu'on doit bouger demain matin. Alors, les copains, nous sommes à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi, personnellement, j'ai adoré ce voyage. J'étais hyper contente. Je me suis bien amusée, comme vous avez vu. Du coup, j'ai donné toute mon énergie pour vous monter cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!